Salut tout le monde, c'est Raptalion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Emily Wants to Play, qui est un jeu PC que je voulais aussi faire. Donc, c'est parti, on fait une nouvelle partie. Hello! Your pizza's here! On plonge directement dans l'ambiance du jeu. Donc, il y a plusieurs personnages, donc le clown. Qui, pour ne pas se faire attraper, il ne faut surtout pas bouger. Kiki qui est là. Donc dès qu'elle crie, c'est qu'elle est derrière nous. Et pour l'esquiver, en fait, il faut la regarder. C'est vraiment dans les yeux. On se balade un petit peu. Donc je suis revenu là, ok. Voilà, ça fait ça. Et là, je vais vous montrer un petit truc assez sympathique. Oui, ça va mieux de vous montrer ce genre de choses. Donc, je crois que si on continue, ça remet la nuit 1. Hello! Your pizza's here! Donc là, on va y jouer. Ça. Donc ça nous montre un peu ce qu'on peut faire. Tac. Et moi, je vais m'apprêter à prendre directement la lampe torche si je la trouve. Parce qu'avec la lampe, tout est simple. Ça devient super simple. Will Basement. Tac. Faut que je la trouve parce qu'en fait, si les gens éteignent les lumières, et ben j'aurais toujours. Ah, elle est là, nickel. Ma lampe. Lampe. Voilà. Donc voici Kiki, celui-là pour l'esquiver, en fait, faut directement changer de pièce dès qu'on l'entend. Donc là, je peux allumer, éteindre. Donc le clown, à nouveau. Et donc là-dedans, ce n'est pas un simple placard. Oui, non, tu me fais pas peur. Donc là, ça s'ouvre. Bonjour. Tu sais quoi? Je pense que je vais partir d'ici. Voilà. Parce qu'il y avait un genre que je ne connais pas vraiment et qui fait assez peur. Donc la nuit 1, ils font rien. Ils sont juste là pour... On est censé les trouver, les voir et tout, et faire leur bruit. Faut pas que je me trompe, parce que si je me trompe de touche, nia. Il veut quand même être là-haut. Voilà. Donc là, je pense que c'était pour ouvrir l'accès au basement. Donc là, lumière. Et il y a aussi ici ce petit tableau. Qui nous dit le contraire de ce qu'il faut faire, en fait. Donc, par exemple, pour le premier personnage qui est Kiki, il dit de pas la regarder. Sachant qu'il faut bien, il faut la regarder pour ne pas mourir, tout simplement. Et avec la lampe, ce jeu ne fait pas excessivement peur. Là, pour l'instant, on peut se balader. Je vais aller à côté de l'horloge. Voilà, donc là, on va pouvoir commencer à avoir peur. Nickel. Oui, bah, tu sonnes un petit peu trop fort. Il y a cette musique que je ne déclencherai pas. Parce que sinon, je risque d'avoir des droits d'auteur. Ce qui serait un peu dommage. Dommage. Je voulais vous montrer un truc. Mais je sais plus où c'est.
Donc ce que je vous disais quand elle crie, c'est qu'elle est juste derrière nous et si tu te retournes pas, bah, tu te fais avoir. Ce qui est bien, c'est que des fois, elle prend des positions étranges et que des fois, elle se met vraiment n'importe où. C'est ça aussi le fait qu'on peut être surpris par ce jeu. Voilà, je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais. Il y a des enregistrements quelque part. Il me semblait que c'était là. Et on peut s'approcher. Ça, c'est ça. Le seul truc, c'est qu'il faut la regarder. Si... Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, elle bouge. There were no signs of forced entry, and the police have ruled out burglary as a motive. Neither body had any injuries, and the cause of death was determined by the coroner. It seemed as though the residents were preparing to move. The police have yet to find any leads. Elle pouvait comme maintenant. Étrange. Pourquoi tu as la bouche ouverte comme ça? Oh, tu as de belles dents. Pas dommage. Dommage. Par contre, tu es un peu embêtante, madame. Voyez comment elle est mise. Je ne sais pas comment elle fait pour tenir, hein. En plus, ça bouche et ça fait un truc chelou. Oh, elle veut me faire un câlin. Oh, mais tu es toute petite. Comme ma... Allez, on laisse les grands personnes faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'elle vient souvent. Voilà, là, on va pouvoir se déplacer. Vous pouvez admirer cette œuvre parfaite. Wow. Si j'étais un mire, ça va pas le faire. Je suis quand même rassuré quand je mets la lumière. On y va, on n'a pas peur. Masakai just says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know. It's all about Emily. I can't tell him anything about that. But I'll record myself anyway. Maybe it'll help. Je ne sais pas si vous avez compris. En tout cas, moi, non. C'est que t'es là, madame. Et sans lumière, ça donnerait un truc comme ça, le jeu. Parce qu'avec... What? Pourquoi est-ce qu'il me bloque? Je sais pas ce qui me bloquait. Wow! J'ai vu tes petits pieds.
c'était pas prévu, ça. Ce n'était pas prévu qu'elle me saute dessus. Normalement, quand on la regarde, elle ne saute pas dessus. Mais bon, apparemment, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? What? J'ai pas compris. Je pense qu'il y a dû avoir un bug. Parce que... On est passé à la nuit 3? J'ai pas compris. On est passé de la nuit 2 à la nuit 3 parce que je me suis fait avoir pareil. Ça me semble étrange tout ça. Mais bon. Ouais. Est interdit de faire ça, madame. Là, il ne faut pas bouger. Là, regardez. Là, maintenant, on peut bouger. Ok. J'ai entendu quelqu'un éteindre une lumière. C'est pas normal tout ça. Ils vont probablement revenir tout de suite. Et là, si Kiki arrive, je suis très mal. Vous pouvez voir sa très belle tête. Pour tous ceux qui sont fans des clowns. Toi, je t'ai senti arriver, toi. La lumière, ok. La lumière, il se bat. En fou, je vois ton ombre, quand même. Je me cale là. Apparemment, il faut pas se coller à elle. Il semblait qu'elle faisait rien, mais... Elle peut nous sauter dessus, apparemment. Qui veut des pommes? Levez la main! Je suis le fournisseur officiel de pommes. FFP. Non. Fournisseur officiel. Oh! Je crois qu'il va me sauter dessus, hein. Ça me saute pas dessus? C'est qu'un problème. Ah. C'est bon. Oh, elle est triste. Faut arrêter de faire ça quand j'ai des fiches, hein, madame. C'est pas normal. Vas-y, dégage, c'est ça. Retourne chez ta maman. Vous voyez, elle se met sur la table au calme. What? Moi, pas compris. Par contre, si là, ça me met à la nuit 4, c'est qu'il y a vraiment un problème. J'arrive de voir un truc.
Moi, j'ai pas compris. Oh les mains, peau de lapin. La saucisse et le boudin. C'est ça? Il me semble que c'était un truc comme ça. Non! C'est quoi? Toi, moi j'ai m'éloigné de toi là. Parce que deux fois je me suis fait avoir, je n'ai pas compris pourquoi et comment. Voilà, c'est ça. Il faut faire gaffe à cette fille. Faut la regarder fixement. Non? Non? Vous voyez, elle flotte dans les airs quand même. Attendez, voilà. De préférence. Ah, je crains rien, je bouge pas. Non? Non, 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 non. C'est ma moussimation. What? On va y aller tout doucement. Voilà, ici, je me sens en sécurité. En sécuritas direct. Voilà, il va m'attraper parce que j'ai bougé la caméra. Ah, même pas. Généralement, quand on bouge même la caméra, il nous saute dessus. Non, j'ai compris. Mana. Je vais te mettre dans le carton et t'envoyer en Chine. Voilà. À mon avis, elle n'aime pas vraiment les Chinois. Peut-être parce que c'est son créateur, quelqu'un de là-bas. Ah oui, je touche le tableau. En tout cas, t'as trop de swag avec ton chapeau et tout. Oh. Pas moyen de voir le tableau?
Tu es fatigante, madame. Voilà, dégage. Voilà. Donc on a dépassé la nuit 3. Et je vais vous montrer le streamer de la nuit prochaine. J'espère juste ne pas me faire attraper par lui. Tu peux rien faire contre moi, monsieur. Faut rester à proximité des portes. Il y a des messages cachés. C'est quoi ça? Il y a des statues un peu de partout. Don't run from Chester. Ne pas courir. Il me semble que ça veut dire ça. Et si justement quand c'est Chester, il faut courir le plus vite possible. Voilà, nickel. Il faut arrêter, Chester. J'aime pas ça. Il faut te calmer, mon petit. Faut prendre ses gougouttes. Vous avez vu? Il était caché de là, sur le coussin. C'est quoi ça? Ah, je croyais qu'il y avait autre chose.
Oui, parce qu'il y a des objets qui spawnent chaque nuit. Genre des fiches. Comme ça. Bon, bah je pense que cette vidéo s'arrête ici. Si vous voulez voir une autre vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et à partager ma vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis, tchuss!